Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis avec la belle Émilie. Aujourd'hui, elle va m'enseigner à faire de la gymnastique. Si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne, en fait, je fais une série de 10 vidéos que je vais tester, 10 différents sports. Fait que je vous invite à aller voir les autres sports que j'ai fait avant. Mais pour là, aujourd'hui, on se concentre pour la gymnastique. Puis là, donc, mes appréhensions, c'est que moi, j'ai déjà fait du cheerleading. OK. J'ai fait un petit peu de tumbling dans le temps que je faisais du cheer. Ouais, mais là, c'est terminé ce temps-là. Là. Ça fait 5 ans que j'en fais plus. Fait que j'ai hâte de voir ce que tu me réserves aujourd'hui. Avant de commencer, là, dans le fond, en ce moment, on est au Flip Gym de Montréal. Toi, ça fait combien de temps que tu enseignes la gymnastique? Ouh, là, aujourd'hui, j'ai 22 ans, j'entraîne depuis que j'ai 14 ans. Fait que ça fait un petit bout que j'enseigne. Si nous, on a le droit en gymnastique, tu as le droit de commencer à enseigner. C'est comme assistant coach, genre. Okay. 14 ans. Okay. Puis à 15 ans, tu peux faire ta formation, qui est une formation reconnue là, au travers tout le Canada. C'est une formation de coach. Là. C'est coach pour être à tous les entraîneurs pour faire cette formation-là. Okay. Puis à 15 ans, tu fais cette formation-là. Puis là, moi, j'ai continué mes formations de gym. Puis là, je suis rendue à ma 12e formation de compétition. C'est un petit peu plus avancé. Mais là, ça fait presque 8-9 ans que je coach. Ah, c'est débile! Puis t'es gymnaste aussi? Oui, j'étais gymnaste avant, quand j'étais jeune. OK. Mais j'ai arrêté vers l'âge de 13 ans, dans le fond, la gymnastique. That's it! OK, c'est ben ça? Écoute, je pense que ça part, la gang. C'est quoi que tu me réserves aujourd'hui? Mais là, je me suis dit, attends, je fais vraiment un cours comme on fait d'habitude. OK. Fait que là, il y a 4 appareils en pied. Fait qu'on va faire un petit peu de tout. Je me suis dit, pour commencer, on va toucher aux 4 appareils. OK. Puis ensuite, on va faire une petite routine. J'aime ça. Je vais te réserver soit une petite routine au sol, genre ça à la soja. Ouais, exact. C'est tout le temps ça qu'ils font. Ouais. Genre, je sais pas trop, là, mais faites tout le temps ça, là. OK. C'est ça. Fait que moi, je commence par un petit échauffement avant. Je pense qu'on est prêts. 100%. On embarque tous les appareils. Ouais, glue. We are ready. Mettons, si tu viens de faire 3 tours dans un centre. C'est ça. C'est quoi les plus grands risques de blessure en gymnastique? Ils doivent en avoir quand même. Ben, il y en a quand même. Vu que c'est un sport qui est quand même de choc et d'impact, les gens, ils ont beaucoup de douleurs aux chevilles, douleurs aux genoux. S'ils tombent mal, ils échappent la barre, ils tombent la peau. Tu sais, des fois, c'est des accidents. Ils tombent sa tête. Tu sais, c'est vraiment un sport qui demande beaucoup de comme plein de qualités physiques. Vitesse, puissance, force, flexibilité. La gang, vous pouvez écrire en commentaire si vous pensez que je vais être bonne. Puis c'est en quoi vous pensez que je vais être le meilleur? En poutre, en barre, en cheval, en trampoline? Oui, on va commencer au cheval. Oui, oh, OK, on commence au cheval. Commence... Là, les gymnastes, habituellement, ils partent le plafond. Ouais. On va commencer par faire un équilibre. Okay. Un équilibre. Comment on appelle ça? Une chandelle? Une chandelle. Une chandelle. Ouais, c'est une chandelle, mais c'est un équilibre. Fait que mettons, tu peux venir ici sur le rod. Oui, mais moi, je suis pas capable de le tenir en équilibre. Mais c'est grave. On va essayer de juste faire un dé et de tomber sur le dos. Fait que juste de passer sur le dos. Ok, mais attends, c'est assez. Ça, c'est très bien. Tu peux sauter dessus, là. Ça, c'est... On appelle ça comme une fausse pit. Ok, fait que là, genre, il n'y a pas de danger. Non, non. Mettons, fais-moi juste un petit équilibre, si jamais. Ah, oh, ben là, tu niaises! Hé, ok, j'ai eu peur, mais c'est vrai que c'est mou. Ok, c'est bon. Bon, moi, je sens que c'est top. Ok, ça, c'est on sent qu'on est déjà prête, là. Ça, c'est notre step numéro 1, juste être sûr que t'es capable de passer vos portes. Okay? C'est-à-dire, la vérité, les gens, ils ont peur de la table. C'est comme même les filles, quand ils commencent, c'est intimidant. Ben, je te comprends. On va partir au bout. Ouais. Puis tu vas courir le plus vite que tu peux, tu sautes dessus, mais je veux juste que t'embarques par-dessus. Je me préparais déjà à faire le mouvement. Refais-le puis je veux que tu essayes de puncher quand tu tournes le tremplin et il va en haut. Ouais, exact. Là, tu as vu par quoi toi-même qu'il a monté. Oui. C'est exactement ça qu'on veut. Ah, oh, c'est vrai? Oui, 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 c'est exactement ça qu'on veut parce qu'après, une fois que tu as punché, les jambes ils vont faire ça. Ce que tu vas me faire, c'est que je veux que tu viennes mettre les mains, mais juste comme tu fais au début, tu as juste levé un petit peu les pieds. Même après. Mais là, je me suis pas forcée à monter. Non, non, mais ça, c'est bon, les mains, c'était bien ça. Ah, ben, ça doit faire mal. C'est ce qu'on a dit. Ben, oui. Attends. En moins pas tant. Non. Ouais. Ah! Ouais, ça, j'ai mis. Là, t'as senti, t'as déjà commencé à monter. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je veux vraiment avoir les oreilles cachées par les bras et les épaules. Ok, mais attends, il faut que je me mette de même quasiment aujourd'hui. Ouais, tu cours, tu là. Tu viens cacher les oreilles comme ça. Ok. Tabarouette, ouais, ça a été ça! C'est déjà mieux! I'm a queen! Ah, là, c'était déjà mieux. Là, les droits, ils étaient mieux. Ouais, hein, moi, j'ai senti aussi, là. Ouais. Hey! Ok, maintenant, on va en faire 2-3 derniers, puis j'essaie de tendre mes jambes. Tendre les jambes. Moi, je sais que je suis fière, puis à la caméra, je vais avoir l'air genre.
d'une masse d'une flaque d'eau en terre. Attends, il y a quoi qui me gosse? Le tremplin est proche. Ouais. Tout soit droit. Ben là, c'est parce que Chris, j'ai pas envie d'aller ailleurs. Hein? C'était déjà un peu mieux. C'est pas super. Non, mais c'était déjà mieux, mais là, tu sais, mettons, la deuxième partie du saut de main, il faut que ça ressemble à l'équilibre tombé d'eau qu'on a fait tantôt dans le bras. C'est ça, hein? C'est ça. Fait que, tu sais, notre but, c'est vraiment d'essayer de monter à l'équilibre pour après tomber sur le dos. Alors, là, j'ai jamais fait. Ah, déjà mieux. Là, c'est peut-être pas que. Ouais, mais attends, couche-toi ici. Ouais. Faut que, mettons, t'atterris comme ça. Oh, pour vrai? Ouais. Ok, moi, j'étais de même, mais il faut que j'atterris de même. Ça, okay. C'est réflexe de cheer. Réflexe de cheer, hein? Parce qu'on faisait tout le temps. Ouais, c'est ça! Ah! Là, je me suis laissée molle, mais je me concentrais sur mes mains! Tu comprends? Ouais, je comprends! Yay! Yeah. Mais quand même, ça s'en vient là, tu commences à avoir les positions. Tu vas réaliser, là, partout qu'on va aller en gym, les positions sont méga importantes. Ah ouais? Donc, chaque étape, il y a des positions. Il faut que les gymnastes avisaient presque tout le temps, là. Oh! C'est ça! Fuck, c'est ça! Ok, hey, non, je vais l'avoir. Le prochain, c'est le bon. Ben là, ouais. Ah, ça, c'était notre meilleur. Hey! Hey, sérieux, les gars. C'était bon. Non, mais j'espère qu'à l'écran, c'est beau, là. Parce que pour vrai, c'est fucking hot. Mais même moi, j'ai hâte de voir à quoi ça va avoir l'air. Ah! Toi, Fred, t'en penses quoi? Excellent. Ah ouais? Mm-hmm. Yes. Faut que je reste en équilibre. Ouais. Je tombe. Ouais, mais moi, je fais juste la crête. Ah non! Mais j'ai essayé de tenir plus en équilibre en haut, mais même si ça peut-être pas donner le résultat. Attends, mais là, on va en faire un autre, on va faire comme si on était en compétition, OK? Ah! Oh. Ça veut dire que quand t'es au bout, moi, je vais dire ton nom, parce qu'à pomper, c'est ça les jus. Oh, tu sais que c'est bon! Là, tu c'est vas bon. Le faire. Bien, mettons, je vais dire Claude, merci. Là, tu fais un salut. Le salut est de même. Ouais, exact. Là, tu peux embarquer sur la piste. Tu vas toujours me donner un pointage. Ouais, c'est bon. Claude, dis merci. Ok. C'est-tu pas bien? Ouais, c'est bon. Ah! Hey, c'est le meilleur! C'est le meilleur! Oui, c'est le meilleur! Il fallait qu'il y ait de la compétition pour que je comprenne. C'est simple, là, tu refais un salut par le jeu. Excellent, là. Tu t'en vas. Vu que celui-là, c'est notre meilleur. Ouais. Je pense que ça mérite comme un bon 9 sur 10. Ben là, c'est... Oui, oui! Hey, je suis, c'est normal. Oui, oui. Ok, non, et là, je suis comme. On va essayer celle-là. Ouais. Juste pour que tu fasses la trempeau, mais c'est le même principe, là. Ouais. Okay. On va l'essayer. Pas chaud. Ah! C'est bon! Ça, c'est pas bien, c'est grand. Exact. Hey, je pense même que tu es capable de faire un sans moi. Descendre de là, full gracieusement. Ah, ben ils sont pas là-dessus. Non, c'est ça. Fait que là, je pense que ça fait tout pour le cheval. Oui. Je te donnerai une petite gorgée d'eau. Oui, s'il te plaît. On va au bord. Au bord. Ah, les bords de même? Ouais. Ah, ça, j'ai tout le temps rêvé de comprendre comment ça fonctionnait. Ça me fait penser au ninja, là. Au sport ninja. Ouais. Parce que je suis allée voir ce sport-là. Ah. Là, je suis comme, ouh, c'est. C'était aussi le même? Ah, ben non, c'est plus en métal, comme. Ouais, c'est plus en métal, ça donne full d'ampoule. Ça, ça doit en donner aussi, ouais, hein? Ouais, ça en donne aussi, quand même. En tout cas, à date, je me sens confiante, parce que le cheval, ça a bien été. Ça, je dirais que mon niveau de confiance est à... 4. Tu sais, il y a la suspension, mettons, comme t'as fait, oui. Les balancés, ça, c'est des mouvements quand même de base. Ouais. Les autres mouvements de base, c'est vraiment à l'appui. Fait que c'est des filles de qui font des, ouais, des prises élan. Tu sais, quand tu les vois comme un peu comme en équilibre, oui. Sur la barre, tout part de l'appui. OK. Tu te mets comme ça, puis là, tu sautes, pouf, puis tu montes à l'appui de même. Oui, parfait, excellent. Merci. Ah, bien! Top! Puis là, tu peux balancer un petit peu les jambes en dessous. Ouais! Ah, ben là, quand même! Ben là! Non, mais t'as pas peur! Absolument, ça, c'est moi qui fais full peur aux gens. Ah ouais? Parce qu'ils se laissent comme tomber par en avant. Une fois que t'es à l'appui, oui. C'est de venir décoller les hanches de la barre. OK. Fait qu'en balançant les jambes, ça va venir décoller les hanches. Ouais. Puis ça s'appelle une prise d'élan. Fait que ça, c'est un autre mouvement de barre. Okay. Qui part du même que quand tu vois les filles qui sont à l'envers sur la barre. OK. C'est le même. Juste que c'est l'amplitude du mouvement qui est différente. OK. Bon, on kick de même. Ouais. Exact. Exact. OK. Là, on va le refaire. Ouais. Puis là, je veux vraiment voir que tes hanches décollent. Les décolles, mais à peine. Je ne pourrais même pas passer ma main. OK, c'est bon. Il faut que je sois capable de passer ma main.
Ah oui, ça c'était bon, ça c'était bon. Là, je veux que tu m'en fasses trois. Un, ouais, deux, trois, et là, ouais. Mais c'est bon. Mais si, même toi tu l'as senti, ça, t'as envie de... Hey, t'as envie de... Je suis là, oui. Ben c'est ça, faut que les garder en avant tout le temps. C'est ça, je suis. Fait qu'on le réessaye, puis après on va essayer une entrée. Hop. Là, je me laisse en avant de main. Un, deux, trois, top, et là, on déroule. Excellent, ça! Bon. Hey! Fait que là, tu vas passer comme ça un coup dessus, les mains, puis ça, ça t'aide vraiment à pousser dessus pour te donner un. Fait que là, t'enroules. Good. Fait qu'on essaie. Ah, oh, bien! Ben là! T'as même pas besoin de moi! Ben! Ouais, là, c'est. Se relever, ça fait du dur. Je suis tellement contente de voir cette série-là, c'est tellement cool. Ah! Bien! Bien! Hé, je suis même pas tant aidée. Bon, tant mieux! Je suis forte. Ah oh, ouais? Bon, c'est le plus dur musculairement parlant. Oh ouais, c'est I'm strong, like Popeye. By the way, la gang, cette vidéo-là est sponsorisée par Popeye. On les remercie. J'en profite pour faire une petite pause à cette vidéo sur la gymnastique. D'ailleurs, lâche un like si vous aimez ça pour vous parler des meilleurs barres protéinées de la vie. Je vous jure, la gang, je vous niaise pas. D'habitude, je trouve que les barres protéinées, ça goûte le carton. C'est dur à mâcher. C'est pas bon. Non, non. Là, au Popeye, ils ont les barres grenades, OK, comme ça. C'est les meilleurs barres protéinées que j'ai jamais mangées de ma vie. Là, le pot, il est cassé, là, parce que je l'ai ouvert, j'ai quasiment tout mangé. C'est des barres qui ressemblent à ça. En fait, c'est vraiment bon pour aider la récupération, justement, des muscles après un entraînement. Moi, j'en prends après chaque fois que je suis allée m'entraîner. Ça a 20 grammes de protéines, 1 gramme de sucre pour ces barres-là. Ça goûte le ciel. On dirait que tu manges une barre de chocolat. Ma saveur préférée, c'est caramel salé. C'est délectable, pour vrai. Attendez, je vais vous mettre là. Je suis en train d'en parler, puis j'ai juste envie d'en manger une. Et checkez ça. Oh my god! Elle est tellement bonne. Mmh. Mmh. Oh wow. Mmh. C'est les meilleurs barres protéinées au monde. Je vais vous mettre le lien pour magasiner ces barres-là dans la bio. Je vais finir ma barre. J'espère que vous avez du fun. Puis on se retrouve dans la vidéo où ce que je fais de la gymnastique. Si jamais vous avez besoin... Si jamais vous avez besoin de suppléments, de protéines, si vous avez besoin de conseils pour vos entraînements, ils ont vraiment des bons conseillers, fait que allez dans un Popeye près de chez vous. Fait que merci Popeye! Toi, on déroule. Ben top! Aïe, comment ils font les gymnastes pour pas faire de face de genre? Ah oh, mais crois-moi qu'ils en font. Ouais c'est ça, on dirait pas, moi je suis de même. Ok, je me remets de la petite craie. Okay. On est prêt pour notre présentation. On est prêt pour la présentation. Claudie, merci. Excellent. Yeah! Non mais je t'ai dit tellement yes! On dirait que je suis sûre que tu es bonne coach. Je suis hey, t'es bonne! Non mais t'es toute bonne! Là on va essayer la barre haute. Oui. Tu vas commencer par seulement te suspendre, puis je veux que tu essaies de me faire des positions rondes, okay. Puis des positions arquées. Arquées, okay. Fait qu'une qui est vraiment ouverte, les fesses très serrées en arrière, les hanches qui sont vraiment toutes ouvertes. Puis l'autre, t'es ronde, ronde, ronde comme ça. Ok. Ok, ça c'est vraiment juste pour placer nos positions, puis après on va essayer nos balances. C'est ça que le monde font quand ils arrivent, ils font l'affaire là, genre ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Là. Ouais, arqué, rond. Ouais. Excellent. OK. Là, ça, c'est notre première étape. OK, good. Là, ce qu'il faut comprendre dans le mouvement du balancer, oui. Tu sais, quand tu es au balançoire, tu fais ça avec les jambes. Oui. C'est le même principe. OK. Donc, on veut que ce soit rond derrière pour arquer en dessous puis revenir rond en avant. Quand tu fais les balancer, tu veux rattraper les mains. Parce que tu sens qu'à force que tu balances, oui, ça aide. Ça. Okay. Fait que pour pas que ça t'arrive, tu veux que quand tu es en arrière, tu rattrapes les mains. OK, fait que je. Ensuite, tu balances. Je lâche quasiment la barre. Tu la lâches à peine juste pour que tu aies de la rattraper et que ça soit pas. Tu que tu flyes pas en arrière. OK, je comprends. Je vais te montrer un petit exemple. Ouais, vas-y donc. Comme tu fais là. Ouais, mais t'es ronde, fouette. Ronde en arrière, fouette. Hop. Ouais, essaie d'être ronde, ronde, ronde en arrière, de voir tes pieds quasiment.
C'est tellement tôt pour les mains, pour les mains! Ça part où? Ouais. Hey, la corne qui se prépare, mon gars, là! Tu fais enlever des points si tu vas trop souvent te mettre la poudre. Non, mais tu sais, la vérité, c'est qu'ils font un passage. Tu sais, les filles, ils embarquent à tout bord, ils attrapent pour leur balancer, ils sortent, puis leur routine est finie. C'est ça. Ouais. Non, ça allait, c'est juste que j'ai l'impression que je lâche la barre puis je vais partir par l'arrière. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que si t'es même, ton corps il tire encore plus vers l'arrière, parce que là, tu sens que tu vas lâcher. Tandis que si t'es ronde, ça va dans l'autre direction. Ok, t'es pas t'es ronde comment, non, même? Comme ça. Puis l'autre bord, t'es pas en arrière de même. Ouais, fait que quand je suis en arrière, maintenant je suis ronde comme ça. Ok, mais tes jambes sont toutes en droite de même, là. Ouais. Oh, c'est ça que j'ai pas compris. Je pensais qu'il fallait que je sois genre de même. Tu comprends ce que je veux dire? Genre comme un rond. Non, non c'est tu comprends. Excuse. Mais là. Ah! Tabarnak! C'est tough. C'est tough, c'est bien. Ouh! Hey, ça, je suis moins bonne, hein, on se rend compte, là. Ça peut, je veux juste remettre de l'air dans mes mains, là. Mais pas de l'air, du sang. Est-ce que vous avez une petite ampoule, là, si on... Oui, 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 j'en ai déjà une. J'en avais une au Ninja. Je recommence à la avoir. C'est correct, ça va faire de la corne. Puis là, on lâche. Ouais, exact. C'était mieux. Oh, shit! Ah! Oh, shit! Excuse-moi, c'est-tu correct? Hey, est-ce que j'ai mis du sang sur la barre? Ben non, c'est pas grave! Ça, là, quand on a une ampoule, on dit à nos gymnastes que ce sont de vrais gymnastes. Holy shit! C'est comme une initiation! Hey, je suis une vraie gymnaste, la gang! Oh! Aïe, 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 comme ça! Oh là là, tellement ça! Oh là là! J'ai genre la peau qui rentre dans mon âme! Oh! Pas facile, la gymnastique. Ouais. Ben, en tout cas, à date, j'aime ça. Même si j'ai une ampoule, j'aime ça. Mon cardio pour une semaine au moins. On part en force! Mon Dieu, la vie est cool, ça. Je me sens bien, là. Claudie est échouée. Ça fait deux exercices qu'on fait. Puis... Hey, ça fait une heure quand même, là. Moi, pour vrai, la gang, je suis comme déçue d'avoir 26 ans. J'aurais aimé ça comme commencer ce sport-là quand j'avais 12 ans ou même plus jeune parce que j'aime vraiment ça, tu sais. Je sais que je suis... Dans le sens, je suis trop vieille pour le faire. Et juste le fait de venir ici puis avoir du plaisir, c'est comme... C'est you! Je sais pas, je me sens bien. J'aime ça, c'est vraiment cool. Ça va être tellement tough, parce qu'à la fin, j'aimerais ça te dire ça a été quoi mon sport préféré, mettons. Mais là, c'est sûr que ça me rattache un peu au cheerleading. Fait que là, je suis comme... J'aime quand même ça, t'sais. But we'll see. Là, pauvre Émilie est en train de faire les premiers soins. Yeah. Et voilà! Hey! Je me sens un petit infirmière. Bon, tu fais souvent ça, là, les premiers soins? Ben oui, ça. Non, hein. Ben oui, mais surtout avec les ampoules au bord, là, les filles, quand ils commencent, ouais. Là, ils n'ont pas fait beaucoup. Ils font comme un cours, deux cours, puis là, ils ont plein d'ampoules. Ah, c'est pas trop serré, c'est bon, c'est ça? C'est bien, ça. Okay. Hey, je me sens vraiment, là, gymnaste. Là, on s'enligne vers un nouvel exercice. Il y a deux bords, bien évidemment. Là, le but, c'est je pense que je pars de la plus petite pour me rendre à la deuxième. Il va falloir sûrement que je saute. Par le fond, je viens de me rendre compte, il faudrait que je sorte. On y va. Tu vas monter à la pied de même comme tantôt. Ok. Yep. Là, tu vas venir mettre un pied dessus comme ça. Ok. Là, tu vas déplacer ta main. Ok, je vais te placer, c'est bon. Là, tu vas pouvoir venir mettre l'autre. Ok. Là, on saute en bas. On saute en bas. Exact. Là, attention, on va te cogner parce qu'elle est proche. Je vais juste sauter en bas ici. Oui. Hey, non, non, tu niaises, là. Non, 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 là. J'en ai une autre, là. C'est une joke, là. Non, non, non. Mon ok, fait, va juste chercher le tape, là, on tape ça rapido, là. Voyons, esti. À cause de mon move de jackass, j'ai ça. Moi, j'ai voulu tester tout de suite d'aller chercher à bord. Hey, c'est tough en maudit, par exemple. C'est comme le ninja, quand on sautait puis qu'on devait aller rattraper. Elle est pas ouverte, elle doit se dire une méchante croche, là. Je ris de seule. En tout cas, on sait que je suis capable d'atteindre la barre. Ouais, c'est ça. Mais, on va réessayer. Sauf que je veux que tu prennes le temps de te lever debout en petit bonhomme. Garde un petit peu les jambes pliées, tes pieds stables. Tu vas faire ton petit bonhomme, tu vas te redresser, tu places tes bras, puis je veux vraiment que tu gardes la grande barre. OK. Ça fait un petit peu peur, il faut que tu lèves les fesses par l'arrière. Exact, là on se lève doucement. Attends, je shake. Là, tu vois bien la barre, place tes mains devant. Et là, on attrape. Et voilà. Ok, fallait que je le fasse parce que c'est stressant pour vrai là. Ouais. C'est con. Non mais con, c'est même pas haut, genre.
Ben, tu sais, je l'ai mis proche en plus, je suis capable de chier, mais c'est toujours comme ça la première fois, tu dois pas manquer la barre, tu dois manquer le pied, tu dois pas manquer quelque chose, mais là, c'est bon, là. 1, 2, 3, excellent. Approche. Excellent. Wouh! Ok, t'as pas hein? Ouais, c'était hey, bon, c'est stressant, on va. Veux-tu qu'on leur fasse, mettons, une dernière fois oui. ensemble, là, qu'on fait salut, petit routine. Hey, oh! Fuck me! Si, en plus, tu me tenais. Mais là, c'est pas grave. Okay, on fait la routine tout de suite. Avec Claudie, merci. Oui! Essaye de te presser long, là. Je sais. Ok. Une dernière fois. Excuse-moi, une dernière fois. Ah! Fuck me! Ah! C'est correct. Là, je te dis, on va aller à la poutre. La poutre. Puis on va finir avec le sol. Vu que tu as déjà l'expérience au sol, je me dis. La poutre, le sol, c'est-tu à crampo ou on ne fait pas la crampo? Ça, ça va être crampo. On est ensemble. On va essayer des mouvements vraiment simples à la poutre. Oh. Puis quand on commence les mouvements simples, on les commence toujours sur la poutre. Ah, oh, c'est bien ça. Puis là, on va commencer par essayer un équilibre. Fait que tu vas avoir vraiment le pouce et l'index sur la poutre. Okay. Puis les trois autres doigts viennent agripper autour pour te tenir. OK. Déjà que je tiens pas en équilibre dans une jambe. Mais le moment que je peux donner à la poutre, c'est de jamais perdre la poutre de vue. Ouais. Si t'avoir plus une, c'est beau de l'avoir. Super. Fait que c'est... OK. Je comprends. Ça, je comprends que c'est tough, pas mal. Ouh! Ils ont plus de... Ah, bien! Voilà! Ah! Donne trop d'élan! Ouais, voilà! Celui-là, il est fini. Ok, tu te sens-tu un... Oh oui, on peut essayer ça, là! Bah, je suis plus sourd, finalement, mais... Il bouille! Ok, c'est vrai que c'est stressant la première fois, hein. C'est dur, ça! C'est plus dur! Ouais, regarde. Ah, lui! Parfait. My lord! Hé, Chris, ok? Ouais, c'est stressant, ça. Hé, mon dieu, je suis stressée. Ok. Wouh! La foot. C'est tellement niaiseux, hein? Ouais, ouais, ouais. C'est un des appareils qui fait le plus peur, je pense. C'était pas super, mais c'était là, tu sais. Oui, mais là. Mais je comprends qu'il faut que tu sois là. Oui, c'est ça. Pourquoi je meurs? Une chance était là! Une chance était là, mesdames! Oh my god! Hop, good! Ça va être notre petite sortie, parce que là, on va faire une petite routine. Ok, vas-y, oui, j'aime ça la routine. Ok, 1, 2, 3, ouais, 4 et 5. Top! Fait que ça, c'est pour les sauts, là, on a fait un saut droit, mais là, j'imagine qu'il y a une panoplie de sauts, oui. Il y a des sauts coupés, sauts split, il y en a ben oui. Des grands jetés, tout ça. Mais pour notre routine, on va faire un saut droit. C'est bon. Puis notre deuxième qu'on va essayer, c'est un saut groupé. Ok. Tu viens lever les genoux dans les airs. Hey boy, okay. Ouais. J'ose pas là, mais oui, je vais oser là. Hop. Ouais. Là, le prochain élément qu'on voit toujours, c'est un tour. Un tour qui est vraiment sur la pointe, comme un peu un tour de balai. Comme ça, là, tu vas venir monter, hop, encore les grosses oreilles. Oups, puis tu redescends. Exactement. C'est bon. Mais là, on va faire seulement un demi-tour. Okay. Enfin, on va seulement partir comme ça. On va monter, puis on va déposer ouf, de l'autre sens. Ah, attends. Là, je vais faire un tour complet en plus. Ah, oh, c'est vrai, ouais. Moi, j'étais comme, c'est le tour, c'est le demi-tour, ça. Moi, je te voyais aller, j'étais comme, même le demi-tour, c'est un tour complet finalement, mais finalement, j'avais mal compris. Oui, parfait. Je devais vous dire, mais quelle déesse. Et je vous comprends. Donc là, ça, c'est l'entrée classique en gymnastique. Excellent. Good. Là, à ce moment-là, on va vouloir aller vers notre sortie, fait que tu vas faire le demi-tour. Ouais. Là, tu peux t'ajouter un petit mouvement. Je peux faire n'importe quoi, là. N'importe quoi. Laisse-toi aller. Excellent. Là, on se place pour notre équilibre qu'on a fait tantôt là-bas. Ok, on fait l'équilibre ici, là. Je vais t'aider. Et tabarnak de style. La gang, vous êtes mes juges. Je t'aime excitée. Claudie, merci.
pour ma première fois que je fais de la poutre à lui. Non, c'est bon, mais tu sais, c'est là que tu comprends qu'il te demande toutes des trucs différents. Oui. Ça, c'est beaucoup équilibre, concentration, mais le cheval qui dure une seconde, ça demande beaucoup de concentration, de la vitesse, de la puissance. C'est ça. Les barres, c'était beaucoup plus force, je pense, ouais, que tu as senti. Oui, beaucoup force. Plus musculaire, plus... Ça, c'est tough parce que j'ai l'impression qu'il faut que tu penses à 50 affaires en même temps. Faut que tu penses à ton équilibre, faut que tu penses à tes bras. T'sais, moi, je les mettais tout en haut, mais il faut tout le temps les mettre en bas. Mm-hmm. Après, faut que tu ajoutes de l'artistique. Après ça, faut que tu te prépares à faire des moves. La tête par en bas, c'est tough, là, tu sais. Mais c'est ça, mais les filles, c'est l'appareil qui doivent le plus zone out. C'est la poutre. C'est ça. Parce que sinon, il y a beaucoup de distractions. Puis là-dessus, tu as une distraction. Tu tombes une distraction, tu es déséquilibré. Puis en plus, en gym, il y a tellement de déductions qu'à un déséquilibre, tu es déduit. Ils veulent vraiment que ça soit le sharp, puis tenu. Pis... Ben, ça fait du sens, tu sais. Ouais. Mais ouais, j'ai bien aimé ça. Good. C'était le fun. On s'en va au sol. Yes! Au trampo mélangé. Je suis down. Le préféré de tous. Oui! Fait que là, on va commencer à la trampo. Oui. Pour un petit peu, tu te remets dans le bain. Oui. Elle bounce beaucoup. Mon Dieu, c'est vrai qu'elle bounce en Christ. Ouais. Oh my God! Hey, c'est tellement naturel de mon plantier. Hey, mais c'est bon et cool. Ouais. Mais c'est comme... Oh! Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire, c'est partir juste d'un pas d'élan. Oui, c'est ça, parce que je pense que... Sans faire trop de rebond. Ouais! Ça, c'est bien. Là, je sais pas si toi, t'es ouvert quand tu tournes, t'es ouvert. Non, mais... je sais, c'est ça mon problème, je sais. Faut que j'ai les yeux ouverts. Faut que j'ai les yeux, c'est ça. Faut voir you seul. Ah! Là, j'avais les yeux ouverts, mais pour de vrai. Mais oui, oui, là, je te viens. Ne ferme pas les yeux. Oui! Soleil! Wow! C'est pas pire! Ça, c'est groupé. Oui. Groupé. On va essayer un deuxième. Je te challenge. Tu prends une carte. OK. Qui est comme ça. Fait que les deux jambes tendues dans les airs. Dans les... OK. Comment qu'on fait pour atterrir? Là, c'est à ce moment-là que tu plies. Mais dans les airs, tu tournes jambes tendues puis t'atterris. Ah! Oh, ouais! Je suis comme même. OK. Fait que je suis de même. Okay. Puis arrive les jambes pliées, faut pas arriver les jambes tendues. OK. On va essayer ça. Yeah! C'était pas spécial. Je... Non, mais c'était bien, c'était bien. Là, d'ici, ça a l'air bien. Là. Ouais, de là. De là, peut-être moins. Ouais! C'est là, quand on atterrit, même si tu m'aimes ou même. Quand t'atterris, c'est le même. Oui. Dès que tu viens d'atterrir, puis après, tu lèves. Ça, ok, good. Là, ce qu'on va essayer de faire, là, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on l'a fait. Ouais. Le flic avant, mettons. Flic avant? Viens tes mains sur le tapis. Oh, je les mets sur le tapis. Ouais. Ouais, papy! Hop. Ouais! J'ai comme on dirait faire un troll sans le faire, là! Ouais, mais c'est bien, c'est juste que là, faut vraiment que tu prennes le temps de venir porter tes mains. Je te demande pas que t'aies l'impression que tu fais un front. Prends vraiment le temps de venir porter tes mains, de sentir que tu touches le tapis. Et une fois que tu as touché le tapis, c'est là que tu veux ouvrir pour venir. Donne la kick, là. Exactement. Hop! Ouais, exact! T'es correct! Non, mais là, le mouvement était bien, tes actions étaient bonnes. Okay. Là, ce que tu peux faire, c'est prendre un peu plus de temps, parce qu'on veut que le mouvement se déplace un peu plus. OK. Pour pas que tu sentes que tu reviennes sur le tapis. Oui, c'est ça. Good! Ça, c'était bien, ça. Bien! Copé! C'était pas pire. OK, fait. Flic avant, frotte, il faut essayer un flic arrière. Oui. Garde les bras tendus, puis on devrait bien. OK, je me rappelle du mouvement, je veux pas te frapper. Non, non, non. OK, copé. Faut que j'aille mettre les mains plus loin, je le sais. C'était complètement mon problème. Pousse plus dans les jambes encore. Okay. Il faut vraiment pas que tu penses que tu as un bâton et que tu veux passer par-dessus. Ouais, tu je sais. Tu peux pas faire une ballon. C'était ça mon problème quand je faisais du tir. Oh, j'entends ça. Je veux que tu essaies de te laisser un petit peu tomber vers l'arrière avant de commencer. Oui, à ça fait pas de sens. Il m'avait donné comme truc, fais comme si tu vas t'asseoir dans une chaise. Ouais, ça c'est un très bon truc. Ah! Je fais ça. Ah, ça c'est un peu moins pire, je pense. Non, mais... Baleine échouée. On finit au sol en plus, toi. Good. Ok, ça se pire. On juste, on va faire un placement pour le bac. Fait juste une chandelle dans les airs. Je vais te montrer, c'est comme pour placer le bac. Ok. Pour que tu te rappelles un petit peu de la motion, du mouvement. Puis après, on va venir l'essayer ici. Parfait. C'est bon? Ouais. Fait qu'on va se diriger vers le sol. Dans notre bac, on veut vraiment une extension. Puis on, on veut venir voir une chandelle dans les airs. Qui est cette position-là. Avant de tourner. Là, ce que je veux ici, c'est que tu me fasses seulement une chandelle. Je veux que tu commences comme ça.
Tu descends, puis là, tu fais. Et hop, j'en vais. Un autre? Ouais. Ah, ça, c'était mieux. Pas pire. Là, ce qu'on va essayer, on va essayer de le faire à partir d'un bloc. Ouais. Mais revenir à quatre pattes. On part là-dessus, on arrive là-dessus. Tu veux-tu qu'on essaye de, à deux spots? Peux-tu ou un... faire un deux spots au cas pour commencer? Mais c'est allez, ça fait longtemps que je pas fait ça, c'est mental. C'est plus naturel, ça, tenir par en arrière. Ah, là! C'est bon, rassurant c'est... quand que vous êtes là. Okay. Ah, là, j'ai même pas les gens. Mais là, vous niaisez. Là, c'est une technique que vous faites. Juste pour encourager vos gymnastes d'être comme. On n'a rien fait. Non, mais pour le reste, pour vous bâtir la confiance en soi, parce qu'elle, elle pense qu'on les aide full, mais on les aide full du tout. Ben, moi, je pensais que vous m'aidiez, là. Non, mais on t'aide pas au niveau des jambes. Fait que le mouvement groupé de rotation, tu le fais toute seule. C'est au niveau de la hauteur. Je comprends. Ah, ça, c'était bien. Moi, je pense qu'on y va sans Bertha. OK. OK, c'est elle, Bertha. Je pensais que c'était toi. J'ai. Quelque chose d'un petit peu plus dur. Ok. Ok. Fait que plie bien les jambes quand on atterrit, puis we should be good. Non, mais. Ouais. C'est stressant. Non, mais là, c'est bon, là! Wouh! Oui, c'est bon! Ok. Là, toi, qu'est-ce que tu sens que tu oui, là, il faut que je fasse tout de suite. Ah, non! Tu peux même ouvrir juste une jambe. Ok. C'est bon. Moi, il va être un spot. Ça va? Confiance pour un spot? Wouh, être pas chaud. Mais mettons, tu restes à côté, mentalement, c'est comme mieux, là. Faut pas parce qu'il y a un spot, il faut que tu forces moins, là. OK. C'est bien, ça? Good! OK, ben, c'est bon. Ah, tu le sens déjà un peu plus, le sol en dessous, mais... Pour celui-là, tu peux être là. Juste pour lui, là. Oh, oui. Ouais. Ok. Ça, c'est tellement d'amis. Là, toi, t'es là. Toi, t'es pas là, mais. Non. Ça? C'est vrai. La gang, c'est stressant. Ok, let's go, Claude. T'es capable? Il n'y a pas de danger. Tout va bien. Ah! Oh. Ouais? Très bien. Ben, c'est pas bien. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Qu'est-ce que t'es en train de te dire? On va baisser un peu la hauteur. Ok, ouais, c'est ça. Ok, good, parfait. En place d'enlever dessus de le tapis, on va diminuer ça, parce que là, il va falloir être plus haut. Oui, ok. Merci d'être présente. C'est super gentil. Savez-vous aussi ce qui me. Pas qui me traumatise, mais mettons, au cheer, on avait des souliers. Ouais. Le fait de ne pas avoir de souliers, ça me trigger un peu. Parce que j'ai peur d'arriver, puis de me. Ouais. C'est plus ça, tu sais, je pense. Ouais. Ça a l'air de rien, la gang, mais on y va de plus en plus dur. Pis ouais. C'est de plus en plus stressant, mettons. Oh. T'es encore là. Ah, ouais. Ouais? Ok. Ouais, excuse, c'est comme. Je veux être une gymnaste, là, je suis comme. On a mis back, on donne tout, Clo. Ah ouais? Je te jure, moi j'aurais fait un tout seul avant ça du bloc du bout. Allô, là! On se calme! Pas de suite! Laisse-moi deux secondes pour process. Hey, je viens de faire de la poutre là. Là, on y va avec un front. Ouais. Est-ce que je saute à deux jambes là-dessus? Ouais, toujours à deux jambes. Yeah. Là, je te dirais d'essayer d'ouvrir un petit peu plus tôt pour être capable d'arriver debout. Ok. Parce que c'est arrivé, c'est qu'on reste tellement longtemps groupé qu'on arrive ses fesses. C'est vrai, ok. Là, j'ai ouvert trop tôt. Là, c'était trop tôt. Trop tôt. T'as été les yeux ouverts? Oui, je te jure que j'avais les yeux ouverts. C'est pour ça que j'ai ouvert. Je pensais que c'était le temps. Okay. Genre là, je suis de même tout le long. Parce que la tendance est que des fois, je ferme les yeux. Ouais. Tu fais un move fucking dangereux que t'es de même. T'espères que t'as guéri. Ah, c'était pas pire. Ouais! Good! T'as même, hein? Oh, shit! Ah. C'est ton premier sans sport, mais il y a une draboline pour m'aider, donc ça devrait bien aller. Wouh! Ouais! Allez, vas-y, bien! Vraiment bien! Hé, hey, non, il était mieux celui-là. Ah ouais, il était hein? Plus haut. Il a tourné un peu moins vite, mais il était plus haut. C'est ça, je me suis full forcée, mais là, je paniquais, j'étais de même fort, je ne voulais pas.
Oui! Hey! Yes! Non, mais oui! Woo! Yes! C'est vrai! Hey, j'ai été surprise, je te même. Oh, ouais. Je suis bien d'atterrir. Fait qu'on y va, petite routine, salut à la caméra. Et où est-ce que j'aurais pas sauté? Woo! Woo! Hey, c'est tellement cool! OK! Claude dit merci. Excellent! Super! Plus qu'avant. Ouh! OK! Puis le bas. Good! Yes. Puis salut à la caméra. Excellent! Yes! Par contre, on s'en va au sol. Derrière tu soutiens. Puis... Dans mon énergie, tout... je pense que t'as 10% là. Ouais, c'est ça! Je suis comme, fuck! Okay, j'ai mal partout. Oh, je pense que j'ai perdu 2 livres. Non mais comme... Je suis de même. Claudie, merci. Oh fuck. Voilà. Faut pas que je dise oh fuck, hein. On peut-tu recommencer? Parce que c'est sûr qu'en gymnastique, tu peux pas faire genre oh fuck. Claudie, merci. Oh, ah, shit. Ok, voilà. C'est ça? Les carrières. Good. Good, salut. Excellent! Hey, c'était pas super, hein? Non, mais c'était bon. T'as fait tout, t'as chat tout, t'as fait une game de faire tout. C'était, oui? C'était top. Fait que là, pour l'ensemble de tout ça, là, fais-moi pas pitié. Non. OK. Dis une vraie note. Mettons, tu penses-tu que j'aurais pu avoir un avenir en gymnastique? Si j'avais commencé plus jeune, mettons. 100% que oui. Yeah. 100% que oui. Même que je te dirais qu'en globalité, je pense, je donnerais un bon 8 sur 10. Merci. Global, 8 sur 10, c'était vraiment top. Ben oui, je me suis vraiment donnée à fond. Mais pour vrai, merci beaucoup de m'avoir accueillie. Ben merci à toi de m'offrir cette chance-là. Ben là, Seigneur, et merci à toi de m'avoir fait tuer. C'est ça. Mais la gang, c'est pas mal ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Vous me direz comment vous m'avez trouvé. Moi, j'ai capoté. J'ai tellement trippé ma vie. J'ai le gros cheese. Je vais être sûrement fucking raquée demain. Ouais, mais en même temps, ça va avoir valu la peine. Puis sinon, nous autres, on se retrouve dans un prochain épisode de la série où ce que je teste 10 sports. Fait que manquez pas le sport de la semaine prochaine. Puis ben voilà, on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde! Bye, bye. Je vous aime!